Shure jamra banya re banaiya.
Namaskaram, namaskaram à tous. Eh bien, la propagation du virus et les décès ou les morts qu'il cause, malheureusement, s'accélère. En particulier aux États-Unis, je pense que les dernières 24 heures ont été les pires. Plus de 2000 personnes sont mortes. Le nombre de gens testés positifs a dépassé les 600 000. En Inde aussi, plus de 380 morts. Mais si on peut appeler ça un signe encourageant, c'est que ça a lieu dans deux petits clusters, Mumbai, Pune, Indore et Delhi, représentent ensemble plus de 60% à la fois des cas déclarés et des morts. Cela nous donne un peu... On peut espérer arriver à le contenir dans de petites zones plutôt que de le répandre dans tout le pays. Mais en même temps, au moins un cas a été déclaré dans plus de 380 districts à travers tout le pays. Donc, qu'est-ce que ça va donner ? Tout dépend du degré de responsabilité avec lequel chaque citoyen agit dans ce pays. Malheureusement, ça dégénère dans l'état de New York. Ça paraît difficile à contrôler dans la semaine à venir ou les deux prochaines semaines. Il semble que ça va s'accélérer. Ça va à coup sûr s'accélérer en Inde. Et bien sûr, il y a un confinement sévère jusqu'au 20 avril. Après cela, un confinement plus souple jusqu'au 3 mai dans ce pays. Mais le niveau d'efficacité du confinement dépend du niveau de discipline des citoyens. Malheureusement, je vois beaucoup de gens qui prennent plaisir à répandre de fausses nouvelles, à créer de la confusion, à rapporter des choses qui n'ont jamais eu lieu. Je ne sais pas ce que... C'est vraiment pathétique que quelqu'un puisse prendre plaisir à ce genre de choses quand il y a une telle souffrance, à la fois en termes de santé et financièrement, en particulier pour les plus pauvres dans ce pays et dans le monde. Si on ne gère pas ça comme il faut, eh bien, si ça emporte vraiment un important segment de la population, on va probablement faire retomber 150 à 200 millions de personnes dans la pauvreté. On les en a sortis ces 15 dernières années, on les ferait directement retomber dans la pauvreté, en dessous du seuil de pauvreté. Ce qui n'est pas une chose qu'on veut voir. Personne ne devrait prendre plaisir à jouer de mauvais tours et à semer la confusion, simplement parce que vous avez les outils des réseaux sociaux entre vos mains. Mais malheureusement, c'est un petit nombre, mais tout de même, il est douloureux de voir que les gens prennent plaisir à de telles choses quand il y a tant de difficultés. En particulier, les professionnels de santé traversent d'énormes difficultés. Et aujourd'hui, j'ai parlé à une institution médicale de premier plan du Punjab. Donc, tous les médecins et leurs préoccupations
le genre de décision qu'ils doivent prendre. En Italie, quand ils ont dû décider qui a les... Quand ils ont dû décider en Italie qui allait avoir un respirateur et qui n'allait pas en avoir un, ils ont décidé en fonction de l'âge. Cela veut dire que si vous et votre mère étiez tous les deux malades, vous allez choisir que votre mère va mourir. Un être humain ne devrait jamais être confronté à ce genre de décision. Parce que si vous prenez une telle décision, vous allez devoir vivre avec pour le reste de votre vie. Donc malheureusement, des médecins ont été obligés de prendre ce genre de décision. Dans d'autres pays, ils ont mis en place une loterie. Qui va avoir le respirateur ? Il y a 100 patients à l'hôpital, mais seulement 5 respirateurs. Qui va avoir le respirateur? Qui va vivre? Qui va mourir? Tiré au sort. Donc, on ne devrait pas pousser la nation, le monde et la communauté médicale et nous-mêmes vers cette situation où vous allez devoir prendre ce genre de décision. Selon quels critères l'un va vivre et selon quels critères on va laisser un autre mourir, ça ne va pas. Mais si les choses dégénèrent, c'est comme ça que ce sera. Ce sont le genre de décisions que nous pourrions tous avoir à prendre. Donc ne nous poussons pas vers là, c'est très très important. Donc dans le cadre de la levée de fonds pour la campagne battre le virus que l'on fait, le nombre de gens qui ont besoin d'aide et de nourriture, ce nombre augmente. On ne pensait pas que dans l'Inde rurale, il y aurait tant de gens, mais le nombre de travailleurs migrants, ils se rassemblent tous maintenant du fait de cette nourriture que l'on offre. Donc, il y a ce défi de lever des fonds et de tenir la distance. On ne sait pas combien de mois cela sera nécessaire. Parce que même si le gouvernement assouplit le confinement, pour que l'activité économique se redresse, qu'elle remarche à plein régime, ça va prendre un certain temps, on ne sait pas combien. Donc, dans ce cadre, nous mettons un tableau en vente. Ce n'est pas une peinture formidable, je ne suis pas un peintre formidable non plus. J'espère juste que, grâce à mes autres réputations, je vais réussir à vendre le tableau pour un montant substantiel, pas à cause de la qualité du tableau. On va l'afficher maintenant pour que vous puissiez le voir, parce que beaucoup de gens ont posé des questions. Arrivez-vous à lire ? Un jour n'est qu'un fragment de temps, un fragment qui nous laisse vivre et mourir. En ce jour, vivons et vivons pleinement. Ne m'insultez pas en me demandant « Sadhguru, qu'est-ce que tout ça est censé vouloir dire ?» Si vous me posez cette question, ça veut dire que ça n'a aucun sens pour vous. N'essayez pas d'en trouver un, c'est une peinture abstraite, donc elle n'est pas censée avoir un sens quelconque. Comme l'image n'est pas suffisamment grande pour que vous puissiez tous voir, nous allons la parcourir morceau par morceau. Quelqu'un peut décider dans quel ordre, s'il vous plaît? Ceux d'entre vous qui souffrent de mon tableau à distance, tenez bon, s'il vous plaît.
Donc, la valeur des insectes est en hausse dans le monde, je peux le comprendre. Donc, dans quelques jours probablement, nous allons mettre en place une plateforme. Avant le 30 avril, la personne qui fait la donation la plus importante, au fond, battre le virus, va avoir le tableau. Et les autres, s'ils veulent, nous allons en faire des copies. Ils peuvent aussi avoir une plus petite copie. Ce tableau fait 1,50 m par 1,50 m, donc avant de l'acheter, vous devez voir si vous avez un mur. Il fait 1,50 m par 1,50 m. Enfin, on va s'arrêter là, s'il vous plaît. Des questions? Cette question est de G. Namaskaram Sadhguru. Il y a quelques jours, vous avez dit dans un darshan que vous ou un autre ne pouvez intervenir après la mort que si la coque karmique est devenue vraiment fine. Mais avant cela, vous avez dit que si l'on est assis avec vous, il n'y a pas de retour pour cette personne. Je suis un peu inquiet. Est-ce que vous revenez sur votre promesse? Maintenant, vous êtes un sacré disciple, qui que vous soyez. Au lieu de me dire, Sadhguru, je vais la rendre aussi fine que vous voulez, je vais la rendre aussi fine que nécessaire pour vous. Au lieu de ça, vous me demandez, Sadhguru, vous avez promis, alors allez-vous tenir la promesse ou revenez-vous dessus? C'est la posture qu'Ananda Tirtha avait adoptée. Ceci doit être compris. Voyez, le problème avec les gens, c'est qu'ils ont pris leur expérience individuelle de la vie un peu trop au sérieux. Ils ne comprennent pas que cette expérience individuelle que vous avez de la vie n'est que pure magnanimité de la création, c'est tout. Ça n'a rien de sérieux. Ils peuvent juste débrancher la prise à chaque instant. Voyez en ce moment le virus. Vous êtes parti. Aujourd'hui vous allez bien et demain matin vous pourriez être parti. Le monde entier, quasiment le monde entier est en confinement. Juste un virus invisible. Donc vous comprenez que votre existence individuelle est à ce point fragile. En même temps, elle est construite de telle façon qu'elle peut durer et persister. Sa persistence, le degré de persistance de cette vie individuelle, dépend simplement de son niveau d'identification avec son moi individuel. Et là, comment dire, les structures qui forment une vie individuelle. Voyez, vous êtes, vous en tant que vie, vous êtes essentiellement une vie, ensuite un corps, ensuite un petit peu de mental. À partir de cette combinaison, vous devenez une personne. Comme vous devenez une personne, vous avez tout un tas de choses dans le monde. Vous avez une maison, vous avez une famille, vous avez ceci, vous avez cela, vous avez même un gourou. Plein. Vous avez tous les accessoires. À fond. Mais vous devez comprendre que vous êtes essentiellement un fragment de vie. En ce qui concerne le corps, on peut dire, ceci est mon corps, cela est ton corps. En ce qui concerne la structure de notre mental, je peux dire, ceci est mon mental, cela est ton mental.
Mais quand il s'agit de la vie, il n'y a rien de tel que ma vie est ta vie. C'est un grand phénomène de vie. Vous pouvez en capturer un peu et prétendre « c'est la mienne ». Ou vous pouvez sans cesse augmenter le volume de vie. Vous ne pouvez l'augmenter que si vous n'êtes pas identifié avec le peu que vous avez accumulé. Le peu que vous avez accumulé l'est du fait de différents paramètres. Simplement, à travers le privilège de la naissance, ensuite en grandissant, certains vont peut-être grandir, certains peut-être pas, en tant que vie, je veux dire, le corps grandit, le mental grandit, l'activité grandit, mais cette vie a-t-elle grandi? Ça dépend de beaucoup de choses. Si vous capturez un peu de vie et que vous vous identifiez à cela, vous allez juste rester cela. Vous dites que vous êtes un chercheur spirituel? Moi aussi, je vous ai cru comme vous m'avez cru. Quand j'ai dit... Après être arrivé, vous êtes assis, vous avez dit, « Sadhguru, nous sommes de vrais chercheurs, nous sommes sincères. » Alors j'ai dit, « Si vous vous asseyez avec moi, ça y est, pour vous. » Donc, revenez-vous sur votre promesse d'être un chercheur? Si vous êtes un chercheur, ça veut dire que vous cherchez sans cesse. Vous n'êtes pas juste identifié avec ce que vous avez. Si c'est le cas, si cette vie s'étend sans cesse, la structure karmique devient de plus en plus fine. Si vous lui permettez vraiment de s'étendre, elle va devenir frêle. J'ai dit, si vous la rendez très fine et frêle, ce sera facile pour moi. Mais maintenant, vous vous en tenez à ma promesse? Peu importe, Sadhguru. Je suis épais comme un mur, mais vous avez promis. Je ne reviens pas sur ma promesse. Laissez-moi vous expliquer le processus. Après ça, choisissez si vous voulez être épais ou fin. Cette question vient parce que un peu épais ici aussi, je crois. Épais veut dire fort, vous savez. Le plus populaire, peut-être que populaire n'est pas le mot, le fruit à coque le plus répandu au centre Isha Yoga est la cacahuète. J'ai retiré le mot populaire, prevalent, répandu. Donc, une cacahuète n'est pas vraiment un fruit à coque. C'est une légumineuse, ce n'est pas vraiment un fruit à coque. Mais parce qu'elle pousse dans le sol et qu'elle a besoin d'une protection, la nature lui a donné une belle coque. Comme elle a une coque, elle prétend être un fruit, exactement comme vous. Ce n'est pas vraiment un fruit, mais elle agit comme un fruit. Donc, à travers toute votre vie, vous pouvez vous y prendre comme un vrai fruit, ce que la plupart des gens arrivent à faire. Mais ce que la mort veut dire, c'est qu'il casse la coque. La mort est un casse-noix. Donc la coque est cassée, le corps physique et ce mental sont partis. Mais vous savez, il y a une couche de protection à l'intérieur. Vous avez vu cette petite couche fine, comme du papier, une autre couche sur la cacahuète. Elle s'appelle testa. Elle est très importante. Tant qu'elle est là, bien que la coque extérieure soit cassée, elle peut à nouveau germer, devenir une plante et redevenir... Une cacahuète peut devenir beaucoup de cacahuètes.
Ils disent qu'il n'y avait que deux cacahuètes, Adam et Ève. Regardez-vous maintenant. Donc, cette seule cacahuète, si vous laissez cette peau, elle peut germer et devenir beaucoup de cacahuètes. Ces nombreuses cacahuètes vont à nouveau traverser le même processus et devenir beaucoup, beaucoup de cacahuètes. Donc, ce que je vous ai promis, c'est que quand l'heure viendra, cette fine couche, cette couche comme du papier, je vais la peler pour vous. Si vous êtes bien trempé, très facilement, on peut la retirer. Si vous n'êtes pas bien trempé, je dois utiliser mes ongles et faire... Si vous voulez, je vais le faire, ça fait mal, c'est tout. Si je vous retire une couche de force, ça va faire mal. Mais si vous l'avez bien trempée et qu'elle devient tendre, alors si simplement je la touche, elle va partir. Ça, c'est votre choix. J'ai dit que si elle est devenue très fine, très facilement, elle va partir. Maintenant, si vous retirez cette couche, il y a quand même une cacahuète. La seule chose, c'est que elle ne peut plus germer. Une fois que vous avez retiré cette couche, si fragile et fine comme du papier, si vous la retirez après ça, elle devient incapable de germer. Parce que c'est une dicotylédone, elle est séparée en deux, et après ça, elle ne peut pas germer. Le mécanisme de base de la germination est retiré simplement parce que cette fine couche a été pelée. Je dis, si vous êtes assis avec moi un instant, ça ne veut pas dire que vous êtes juste venu vous asseoir et être parti. Ça veut dire que vous avez vraiment... Peut-être que « assis » n'était pas le bon mot, si vous êtes avec moi, j'aurais dû dire. Je pensais que si vous êtes ici, vous êtes avec moi, parce que je suis comme ça. Quand je suis ici avec vous, je suis ici avec vous, je ne suis pas autrement. J'ai cru que vous étiez aussi comme ça, et j'ai dit, si vous êtes assis avec moi, maintenant vous arrivez, vous vous asseyez comme ça, ok, je me suis assis, que s'est-il passé? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, quoi qu'il en soit, je ne reviens pas sur ma promesse, si vous avez vraiment été assis avec moi, si vous avez été avec moi un instant, c'est un mécanisme qui fait que naturellement la peau va s'en aller. Est-ce qu'elle va s'en aller sans effort ou dans la douleur? Cela dépend de vous, mais elle va s'en aller. Mais la cacahuète est toujours là. Elle ne peut pas germer, mais elle continue à traîner. C'est la promesse qu'on a faite. On va veiller à ce que vous ne regermiez pas. Mais il y a deux jours, on en parlait, de complètement dissoudre quelque chose. Pour la dissolution, sans une certaine coopération, non. Évitez que vous ne regermiez pour qu'aucune autre cacahuète ne soit produite par vous. Eh bien, je vous l'ai promis, je vais tenir la promesse. Mais je pensais qu'on allait enlever vos aspirations. Au lieu de simplement ne pas germer, vous êtes capable de... Quand vous êtes fraîchement mort, on parlait uniquement d'après la mort, pas vrai? Oui? L'autre jour? Ok. Si vous le faites quand vous êtes en vie, c'est fantastique. Mais vous n'avez pas pu, vous y avez travaillé, vous êtes devenu tendre, mais vous n'avez quand même pas pu, donc vous êtes fraîchement mort. Peut-être que ce n'est pas le bon mot, mais j'aime l'utiliser. Fraîchement sorti du ventre, fraîchement mort. Donc, quand vous êtes fraîchement mort, à ce moment-là, c'est une bonne occasion pour se dissoudre complètement. Donc, est-ce que vous allez me permettre de faire ça, ou juste d'enlever la peau pour que vous ne puissiez plus germer et prendre votre propre temps pour vous dissoudre? Mais sans pouvoir reprendre un corps de plus, ça je vous l'ai promis, je vais m'y tenir. Mais maintenant, j'ajoutais à ma promesse. Je renchéris ma promesse. Je ne retire pas ma promesse, je renchéris la promesse. Pas juste de ne pas germer, la dissolution elle-même peut avoir lieu, si simplement vous êtes dans un mode de coopération.
Vous pensez qu'en étant comme une pierre comme ceci, et vous voulez vous dissoudre, comment dissoudre une pierre? Ça va prendre 1 million d'années. Non pas qu'une pierre ne puisse pas être dissoute, ça va prendre 1 million d'années. Mais si vous devenez doux comme du sucre, ou au moins comme du sel, en quelques minutes, on peut vous dissoudre. C'est tout ce que je disais. Je ne revenais pas sur la promesse. Donc, qu'est-ce qui va vous faire travailler ou persévérer un peu plus, avec plus de détermination, pour que vous puissiez aussi réduire le travail de votre gourou? Ça aussi, vous devez y penser. Allô? Ça aussi, vous devez y penser. Pas seulement à comment vous allez être libéré, vous devez aussi penser, comment puis-je réduire le travail de mon gourou? Cette pensée ne vous a jamais traversé l'esprit. Donc, si vous êtes comme ça, alors, il y a des façons d'accélérer votre sadhana. Ceci est arrivé. Un garçon de 12 ans, il est à l'école, il est excellent dans toutes les matières, mais juste en mathématiques, il ne se débrouille pas très bien. Les familles juives sont comme ceci. Une matière où ça ne va pas bien, ce n'est pas bon. Les autres diraient, il est bon en tout, les maths, il n'aime pas. C'est pas grave. Ce n'est pas comme ça que marchent les familles indiennes et les familles juives. Si vous obtenez 98, une mère indienne va vous demander où sont les 2% restants. Que s'est-il passé? Tous les autres, ils vont organiser une fête et célébrer. Mon fils a eu 98%. Pas en Inde. Ils vont vous dire où sont les 2 autres %. Parce que nous venons de cultures où l'effort humain est de la plus haute importance. Pas 98%, 99%. Faites-vous des efforts ou pas? Donc ils décident, bien qu'il soit une famille juive, ils décident de le mettre dans une école catholique où le professeur de mathématiques est censé être bon. Donc le garçon y va et 4 mois plus tard, il a 100 sur 100 à chaque contrôle. Alors, les parents sont très heureux. Et ils se disent qu'ils devraient offrir un cadeau au professeur de maths. Et ils disent, nous aimerions rencontrer ton professeur de maths. Il a vraiment fait des miracles pour toi. Tu as 100 sur 100 en mathématiques, ce que tu n'avais jamais atteint ces 2 dernières années dans l'autre école. Le garçon dit, ça n'a rien à voir avec le professeur de maths. Alors, comment ça se fait? Disent-ils. Eh bien, j'ai vu un gars à l'école qui a été cloué sur un signe plus. Donc c'est tout. On peut faire quelque chose comme ça pour vous. Un de ces garçons, on va le clouer, ou le prendre par les pieds. Voyez les serpents? Si on fait ça à l'un d'entre vous, les autres vont faire des efforts. Si c'est la seule façon de vous faire passer le message, qu'est-ce que j'y peux? Je crois aux choses qui marchent. La prochaine question est de Richard. Est-ce qu'un disciple peut avoir 2 maîtres? Si l'on est initié par 2 maîtres spirituels, vaut-il mieux s'en tenir à 1 méthode et à 1 maître, ou pratiquer les enseignements des 2? Si je suis un seul maître, cela veut dire que je manque de respect à l'autre qui a choisi de me mettre sur la voie? Eh bien, être avec un gourou ou un maître spirituel n'est pas une question de loyauté, mais c'est une question d'intégrité. Quelle est la différence entre la loyauté et l'intégrité? La loyauté vient de certaines émotions que vous avez.
Intégrité veut dire que vous êtes dédié au but pour lequel vous êtes là, quel que soit l'endroit. Vous êtes quelque part, le but de cet endroit, vous êtes absolument dédié à cela, vous n'allez pas y faire autre chose. C'est ce qui arrive à beaucoup d'entre vous. Vous êtes arrivé ici pour vraiment faire une sadhana spirituelle, mais vous tombez amoureux de quelqu'un, vous vous mariez... Tout ça, une chose ou l'autre vont arriver. Vous allez attraper un mal de tête ou un mal de dos, ou des choses vont vous trotter en tête, ou votre cœur se met à pulser comme ça. Tant de choses vont arriver. La vie. Vous ne comprenez pas que dévier du but pour lequel vous êtes là est simplement une question de manque d'intégrité. Cela veut-il dire que je ne devrais faire aucune de ces choses? Eh bien, vous devez prendre une décision consciente, c'est pour ça que vous êtes venu, pour construire une vie autour d'un centre spirituel. Ça me va. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde soit tout feu, tout flamme. Mais vous êtes arrivé ici tout feu, tout flamme, et ensuite vous avez fait des compromis. C'est un petit ajustement de l'intégrité. La loyauté est autre chose. La loyauté n'est pas nécessaire dans cette affaire. Donc, qui que vous soyez, si vous étiez ici et que vous êtes parti ailleurs et que vous luttez, s'il vous plaît, ne luttez pas, laissez-moi juste tomber, et où que vous soyez, faites juste ça. Parce que le fait même que vous soyez parti ailleurs veut dire que quelque part, pour une raison quelconque, ça n'a pas marché ici. Donc vous êtes parti ailleurs. Au moins là, ça doit bien se passer, tant que vous grandissez. Quel est mon problème? Ou si vous étiez quelque part et maintenant vous êtes ici et vous luttez ici, laissez tomber les bêtises que vous avez apportées d'ailleurs et faites ce que vous êtes censé faire ici. Parce que c'est comme... Vous savez, il y a des jardins de cocotiers et des jardins de manguiers. Vous n'allez pas dans une cocoteraie pour prendre un des arbres et le planter au sommet de la montagne. Il ne va pas durer un mois. Ce n'est pas là qu'il pousse. Il ne peut pousser qu'ici. Et vous n'allez pas non plus prendre un manguier et le planter dans un désert. Ça ne marchera pas. Donc le fait même que vous soyez passé d'un endroit à un autre, du fait de votre propre choix ou d'autres compulsions, ou peut-être que ce maître est mort, ou je suis mort, quand ça arrive, eh bien, une fois que vous ressentez le besoin d'aller quelque part, donnez-vous absolument là-bas, où que ce soit. Parce que vous ne pouvez pas être ici et creuser là, ça ne marche pas comme ça. Cela veut-il dire que vous manquez de respect à quelqu'un? Non. Voyez, c'est comme ça. Vous avez une mère. Elle s'est bien occupée de vous, vous l'aimiez immensément. Pour une raison ou pour une autre, elle est décédée. Maintenant, votre tante est arrivée, ou peut-être votre femme, ou peut-être votre voisine, ou peut-être quelqu'un d'autre. Disons votre tante parce que les autres vont déclencher des émotions qui ne sont pas... qu'on ne peut pas régler dans cette question. Maintenant, votre tante s'occupe de vous, mais vous aimez votre mère. Mais vous devez manger la nourriture que vous sert votre tante. Vous ne pouvez pas manger la nourriture que sert votre mère. Peu importe à quel point vous la chérissez, à quel point vous l'aimez, vous pouvez l'aimer, la respecter, tout, mais vous devez manger la nourriture de votre tante. Autrement, vous ne serez pas nourri. C'est aussi simple que ça. Donc si vous êtes parti d'ici, ailleurs,
De loin, il est très facile de m'aimer. Oui, très facile de m'aimer de loin. De près, c'est plus dur. Vous pouvez être assis là et m'aimer et avoir de l'estime et du respect pour moi pour que votre conscience soit soulagée. Parce que je veux qu'elle soit vite soulagée, parce que ce n'est pas une vie très longue, c'est une vie courte. Si vous devez gérer toutes ces bêtises, quand allez-vous y arriver? Soulagez-la rapidement, ça ne pose aucun problème. Vous pouvez m'aimer ou me détester, les deux me vont, mais soulagez-la d'une manière ou d'une autre, et concentrez-vous sur ce que vous devez faire. Mais si vous êtes passé d'ailleurs à ici, c'est la même chose. Vous pouvez avoir autant d'amour et de respect pour qui vous voulez. Je dirais, ayez-en pour tout le monde. Je vous l'ai dit, si vous marchez dans la rue, parce que j'ai vu des gens faire ça, ils marchent comme ça. Soudain, quelqu'un dit, « Hey, Sadhguru, Sadhguru !» Je dis, « Bon sang, ça ne va pas marcher pour vous. » Ça ne va pas marcher pour vous si, quand vous voyez Sadhguru, vous êtes comme ça, autrement vous êtes comme ça. Ça ne va pas marcher pour vous. Aucun chemin spirituel ne va marcher pour vous comme ça. D'une façon ou d'une autre, vous devez voir la même qualité en tous, hommes, femmes, enfants, ânes. J'insiste particulièrement sur l'âne. Âne, vache, chien, arbre, pierre. Si vraiment vous... On en revient à la première question. Si vous avez vraiment été assis avec lui, à coup sûr, ok? Alors, vous devez voir cela en tout. Vous devez tout traiter comme si c'était Sadhguru. Alors, il n'y a pas de problème. Alors, où vous êtes, quelle pratique vous faites? En ce qui concerne les pratiques, comme je le disais, maintenant votre mère est partie, vous êtes chez votre tante, vous devez manger la nourriture qu'elle sert. Vous pouvez aimer votre mère autant que vous voulez, personne ne peut vous en empêcher. Mais vous devez uniquement manger et vous nourrir de la nourriture que sert votre tante. Ne restez pas assis là en pensant que votre mère va à nouveau vous servir, elle ne va pas le faire, et elle ne le peut pas. Donc, ne créez pas ce genre de conflit, parce que c'est une vie brève. Avec toutes ces complications émotionnelles, où allez-vous aller ? Le fait que vous soyez parti quelque part, de toute évidence, quelque chose n'a pas marché pour vous. Où que vous soyez parti, s'il vous plaît, faites en sorte que ça marche, au moins là-bas. Quand vous étiez ici, vous vous demandiez comment vous échapper. Maintenant vous êtes ailleurs et vous vous dites, peut-être que je devrais être ici. Ne faites pas ça. Une fois que vous quittez un endroit, où que vous alliez, faites en sorte que là-bas ça marche au moins. N'abandonnez juste pas vos efforts, c'est tout ce qui compte. Quand vous abandonnez vos efforts, vous me décevez profondément. Oui. Si vous partez et que vos efforts sont intenses, je m'en fiche, ça me va. C'est moins d'ennuis pour moi. Allô? Si profondément vous faites des efforts et que vous partez, c'est bon pour moi. Si vous abandonnez vos efforts, c'est une vie gâchée pour vous, un effort gâché pour moi. Ne faites pas ça. Ceci est arrivé. Un garçon rentre de l'école et dit, « Papa, tu te souviens, tu m'as dit que si je réussis mon contrôle de maths, tu vas me donner 50 euros. » Le père lève le nez du journal qu'il est en train de lire et dit, « Oui, mon garçon, je m'en rappelle. Eh bien, papa, je t'ai évité la dépense. » La vie est déjà investie. Maintenant, n'essayez pas d'économiser ma vie. Quand vous êtes assis ici, j'ai investi ma vie en vous, d'une certaine manière. Maintenant, n'essayez pas de l'économiser. Si j'avais voulu l'économiser, je l'aurais économisé moi-même. Elle est déjà dépensée. N'essayez pas d'économiser l'argent déjà dépensé.
Mm-hmm. Oh, excusez-moi. Yoga, yoga, yoga. Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambha Shambha